On est-tu là? On est là. Bon matin. Hey, je me déblie, tabarouette. Oh! OK! Il est 8h03. Bon matin, tout le monde. Bienvenue dans votre inspiration matinale de vestimentaire de qualité, votre dose de beau dans les yeux. Gracieuseté de verysmart.ca. Votre boutique en ligne de proximité préférée, parce qu'on le sait, on livre partout au Canada gratuitement pour toute commande de 110$ et plus. Et notre passion, nous, les smartenistas, c'est de s'assurer d'en avoir plus pour son argent, mais de miser toujours sur, oui, le beau, mais surtout la qualité, parce que c'est plus durable, parce qu'économiquement, c'est plus intéressant et qu'écologiquement, c'est ça. Bon matin, installez-vous confortablement. Là, on dirait que j'aurais jamais envie d'enlever ce pantalon. Ça se peut pas comme il est confortable. Donc, pour la sélection complète qui est disponible sur notre boutique en ligne, c'est simple, vous allez sur verysmart.ca. Vous descendez la page d'accueil tout simplement et vous allez voir, ça va être écrit « Inspiration du 15 octobre ». Vous pouvez aussi passer par l'onglet « Inspiration » en sélectionnant « Octobre 2024 » puis ensuite, bien évidemment, la date du jour, « Live du 15 octobre 2024 ». J'ai mon café, puis là, ben, j'ai hâte qu'on se mette du beau dans les yeux parce qu'il y a de la couleur, il y a de la texture, il y a du noir, il y a du neutre. Il y a du doux, il y a de l'indémodable, mais jamais plate. Puis si vous êtes prête, c'est parti maintenant. Il y a un petit goût d'harmonisé, là. OK. Alors, première pièce, ou en fait, premier look ce matin. Je vous dirais... un de mes mix d'imprimés préférés, puis là j'ai l'air d'être dans un pantalon noir, mais pas du tout en fait, c'est notre nouveau pantalon Riani cigarette noir à fine rayure blanche. C'est un pantalon un peu, on va le dire, là, tu sais, féminin, masculin, avec des poches. C'est un pantalon qui a un petit revers dans le bas. Moi j'aime bien qu'il soit encore plus court, fait que j'ai fait un petit roulé en plus, mais il est parfait. Il est extensible, la bande de taille a un élastique aussi au dos et on a les tailles 4 et 8 dans ce modèle-là ce matin. Et je vous dirais que le 6, ma taille habituelle, aurait été parfait parce que tu vois que j'ai quand même pas mal d'espace au niveau de la taille. J'ai un gros pouce sans même tirer sur l'élastique. Donc la taille 6 aurait été la mienne, ce qui veut dire qu'il est parfaitement bien taillé selon votre taille habituelle. C'est donc le pantalon, attendez un petit peu, je ne vais pas me tromper. Pantalon cigarette noire à rayures blanches. Hein, on aura un 14 aussi. 8, 4, 8 et 14, un instant. Ben, regarde donc ça. Regarde donc ça, le beau 14, toi, chose. Alors, 4, 8 et 14 ans dans ce modèle-là. Fantastique! Fantastique! Donc, comme d'habitude, vous allez trouver toutes les mesures précises prises en pouces à plat pour chaque vêtement. Et c'est ce qui vous permet de comparer avec un pantalon similaire. Donc, c'est un pantalon qui a quand même une bonne hauteur de fourche. Fait que ça donne un pantalon qui se porte quand même assez taille haute. Ça veut dire un pantalon qui est hyper flatteur, qui donne une illusion de longueur de jambe, qui finit plus. Ça donne des... je pense que c'est des fausses poches. Ouais, fausses poches derrière. Il est stretch, il est doux. Il contient pas de laine, donc on est dans quelque chose d'assez, je vous dirais, 4 saisons. C'est le fameux polyester viscose et élastane. Et c'est lavable à la machine! Alors ça, c'est génial, génial. Donc 4, 8 et 14 ans dans ce pétalon. Et j'ai décidé de le porter, c'est ce que je disais, avec... honnêtement, ça fait partie de mes mix de motifs préférés parce que, un, la rayure est tellement fine que de loin, j'ai l'air d'être dans un pantalon noir. Fait que c'est quand même un peu plus facile à assumer comme mix de motifs. Et là, je suis dans notre tout dernier chandail léopard de la marque Oui. C'est le chandail léopard à col montant.
On avait 4, 6 et 8, et si je vérifie pour être certaine, exact, le 4 et le 8 sont épuisés, mais il nous reste une taille 6. C'est un chandail qui a même un petit, il y a un petit frison, il y a une espèce de petit plissé sur le côté. C'est hyper extensible. Ce que j'aime le plus, c'est ça. C'est vraiment les trous pour les pouces. Ça donne quelque chose de comme stylé, cool, décontracté, puis en même temps, c'est près du corps, fait que ça s'enfile tellement bien en dessous de quelque chose d'autre. Puis c'est sûr qu'aussitôt que tu mets une veste par-dessus, ben là, on voit un peu moins de léopard. Fait que si t'es moins habitué, puis que tu l'as pas encore apprivoisé, ben c'est une belle façon de le faire. Puis comme on est uniquement dans des teintes neutres, parce que le noir c'est neutre, le léopard c'est neutre, ben on peut mettre n'importe quelle autre teinte neutre ou encore une couleur. Puis je pense que ça pourrait être une bonne idée avec, par exemple, notre veste vert boréal d'hier. Il nous reste uniquement la médium. Tu sais, c'est parfait, là. Ça donne quelque chose de super neutre en même temps, super sobre. Puis je trouve que c'est le fun d'avoir différentes nuances sombres. Ça donne de l'intérêt. Tu sais, des fois, tu veux mélanger deux teintes de gris, par exemple, foncé, puis c'est pas exactement la même chose, mais tu es, par exemple, dans un gris froid dans les deux cas ou dans un gris chaud dans les deux cas. Mais on dirait que des fois, le fait qu'il y ait un léger décalage, ça rend même l'ensemble plus intéressant, moins matchy-matchy, alors que je milite pour le matchy-matchy. J'aime beaucoup, beaucoup les ensembles coordonnés, mais je suis pas très à cheval sur la perfection du mix de couleurs. Quand ça me plaît puis que je trouve que visuellement ça passe, mais je m'en fais pas plus avec ça. Fait que la veste qui est clairement vert très, très, très foncé, avec ça, je trouve ça juste sharp. T'sais. Ça donne un mélange, mais en même temps, tout est neutre, tout est sobre. C'est fantastique. Alors, ça, c'est la veste qui a été présentée hier. Et comme je vous disais, ben là, elle n'est pas dans la section du jour parce qu'elle était juste encore sur le rack. Je vais la déposer pour celle qui la voit pour la première fois. C'est Sarah Pacini, c'est extensible, c'est une veste, je vais dire, militaire chic et c'est un vert tellement profond qu'on l'a appelé le vert boréal. Puis quand je dis on, c'est chez Sarah Pacini, c'est pas nous. Et effectivement, il ne reste que la taille 2 qui fait un très très beau médium dans dans ce produit-là. Ah, c'est ça. Puis tu sais, tu peux enfiler les manches, là, puis remonter un peu la veste pour te montrer un peu plus de wear. Puis c'est juste chouette. C'est juste très cool. Donc, voilà pour ce premier look. Elle est à 2,95 au lieu de 715. C'est de la fine laine extensible, douce, 3 saisons, même 4, honnêtement, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la fameuse laine froide. Donc, c'est une laine qui est pas nécessairement chaude. C'est sûr que c'est thermorégulateur. Fait qu'en été, ça te donne pas chaud, mais en hiver, ça tient quand même un petit peu au chaud. À moi ce beau chandail, j'arrête de le regarder. Ginette, ça va être réglé. Fait que je l'enlève, mais pas tout de suite parce que j'ai d'autres idées avec le haut. Donc, ce qu'on va faire, c'est une autre proposition. Puis, tu sais, vous le savez, là, en ce moment, la longueur de jupe qui est très, très populaire, même si toutes les longueurs de jupe peuvent se porter, c'est la jupe maxi. La robe maxi aussi. C'est dans le fond les pleines longueurs. Donc, les jupes et les robes qui vous arrivent, je vais dire, à partir du mi-mollet, là, jusqu'à la cheville ou jusqu'au sol, même si vous l'assumez. Cette longueur-là, pour moi, c'est un classique, mais c'est particulièrement populaire en ce moment. Puis c'est le fun parce qu'on en a plein. Donc, ça, c'est tout. Là, je me cherche un petit cintre. Donne des estales. Ici. OK. Donc ça. Puis j'avais envie de mélanger le léopard avec une teinte neutre différente. Parce que souvent, quand c'est léopard dans des teintes de, c'est justement brun chocolat, tan, ben on va aller avec du noir, on va aller avec du brun. Mais c'est important de garder en tête que quand c'est brun puis c'est tan, ben, c'est deux teintes neutres, fait que tu peux ajouter n'importe laquelle. Puis moi, ben, je me dis, pourquoi pas du marine tant qu'à y être.
Donc ça, c'est la jupe en lin techno. C'est une jupe qu'on a eue en tellement d'exemplaires parce que je la trouvais fantastique. C'est une jupe qu'on peut porter à l'année parce que oui, c'est en lin, mais le lin techno fait en sorte qu'on peut... Ça a plus l'apparence en fait très estivale qu'on associe au lin. Donc ça donne une toile un peu plus parachute, un peu plus sport chic. Et on a cette jupe-là fantastique en marine, en bleu chanceux et en choco, justement. Et c'est une jupe qui est pleine longueur, mais qui peut facilement se raccourcir. T'sais, au dos, on a le plissé qui est vraiment chouette. Puis en avant, c'est l'aspect portefeuille. Puis là, ben, avec ça, on va se faire quelque chose de simple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Marine, ben. Tu sais, moi, j'aime bien l'idée de déchiquiser l'affaire. Ça ici, là, évidemment, je pourrais mettre des collants en dessous parce que quand on se lève puis il fait 4 le matin, là, ça donne envie de se couvrir un peu. Mais là, pour les besoins de la cause, on va y aller plus rapidement. Donc, ça ici. Donc, ça. Puis, c'est une jupe qui, tu sais, tu pourrais là, la raccourcir, genre, juste... un pouce ou deux au-dessus du mollet, puis ce serait aussi très très chouette. C'est personnellement probablement ce que je ferais parce que j'aime avoir un peu de cheville apparente. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il nous reste une de chaque couleur. Donc, on a la marine, on a la bleu chanceux et on a aussi une dernière. Genre mocha. Donc, je porte la marine, bleu chanceux et mocha. Et dans les trois cas, on est. Bon, la mocha, c'est une 0, mais je me souviens qu'elles sont faites quand même grandes et très taille haute. Ça, c'est une 1, puis la marine aussi, c'est une 1, mais elles sont quand même faites grandes. T'sais, si tu la portes taille haute, ça peut même faire une petite médium. Tu sais, toutes celles qui sont autour de 15 en pouce à plat pour une jupe taille haute ou un pantalon taille haute, là, vérifiez les mesures parce que vous pourriez avoir une agréable surprise. Fait que ça, je trouve ça juste chouette. Avec le marine, je trouve que ça fonctionne hyper bien. Et. C'est sûr que je pourrais faire aussi, tu sais, mocha, ça fonctionnerait aussi très très bien. Ce serait beaucoup plus ton sur ton par contre. Mais avec le marine, je trouve que c'est assez chouette. Puis si je fais par exemple une botte brune, celle-ci, ça marche super bien. Hé hey Martine, ta question est tellement à propos. Martine qui demande quelle sorte de scène préfères-tu. L'organisation de la garde-robe, là, c'était le thème du webinaire de la semaine passée. Fait que j'ai discuté de tout ça pendant une grosse heure pendant le webinaire qui est accessible en rediffusion. Il suffit de s'abonner au club Smart Tennista. Ça fait partie des informations que je partage avec bonheur ce genre de questions-là. Donc voilà. Hey, ça aussi, là, tu sais, avec la botte brune, on dirait que ça vient comme réchauffer l'affaire. Puis là, je pourrais faire mon sac. Bandoulière, choco là-dessus. C'est hot, mais j'aime le fait que ça fait habiller, mais en même temps, quand t'es proche, tu vois qu'il s'agit d'un tissu qui est vraiment sport chic. Ça, c'est comme avoir le meilleur de tous les mondes réunis. Puis mettons là, que je la raccourcis juste un peu parce que ça se fait facilement. Tu vois, là, ça dégage juste un peu plus, puis je trouve que c'est encore mieux. Donc, voilà pour ça. Marine et Choco, ça fonctionne bien. OK, là, j'enlève le chandail à Ginette. Puis on passe à d'autres choses. Hop.
Là, on passe à un autre pantalon. Je vais l'essayer, Caroline, avec l'autre modèle que je vais présenter parce que je suis pas mal sûre que ça le fit. Tu sais, moi, je vous dis tout le temps, une jupe, ça tourne tout le tour. Fait qu'il y a toujours moyen de placer le devant au dos, le dos au devant. Puis il suffit de l'essayer pour voir si on aime ça. Mais je vais le tenter avec l'autre modèle que je vais présenter un peu plus tard. Ok, pantalon un peu dans la même veine, là, la coupe un peu Riani du pantalon à rayures du début du live. Là ici on est dans Gardeur, c'est un pantalon qu'on a eu en deux modèles, c'est souvent ce que fait Gardeur, il propose le même tissu, mais on le coupe dans deux modèles différents de pantalons. On a eu la jambe un peu plus droite, puis ça c'est la jambe un peu plus cigarette. On va se faire ça très doux. Donc ça ici, là j'ai donc ben pas la bonne couleur de soutien-gorge. Je vais juste enlever la petite notification. Je l'ai en bleu, cette jupe, et elle est fabuleuse. Carole, j'ai un gros kick sur cette jupe-là. On en a eu tellement. Puis là, on voit qu'on arrive à la fin. Puis c'est le fun parce que le fait qu'elle soit 4 saisons, ça nous permet de bien la rentabiliser. Donc ça, c'est le pantalon Gardeur tartan. On est vraiment dans le bourgogne, le marine et le rose très pâle. On sait que le bourgogne, le merlot, tout ça, ça fait partie des couleurs les plus populaires ou les plus en vue cette saison. Donc ça, c'est le top en tricot à col roulé rose tendre. On est dans Iris 7 Lacouille. Puis tu sais, c'est vraiment un tricot très, très fin. Col roulé, je pense qu'au niveau de la matière, c'est lavable à la machine. On mélange 50 laine mérino et 50 acrylique. Ça donne quelque chose de super doux, mais de surtout très fin. Puis c'est ça l'avantage parce que c'est le fun de pouvoir avoir la superposition d'un col roulé, mais sans nécessairement avoir la chaleur d'un vêtement qui vient avec des manches. Donc ça ici, je pense que je ferais quelque chose de... On essaie tout ça? Je pense que j'aime ça. Le rose pâle avec le blazer iris aussi, mais ça vient... Je trouve que le rose fuchsia fait vraiment ressortir... le bourgogne, je trouve ça le fun. Puis le rose est tellement pâle que ça a quasiment l'air d'une espèce de pêche ou d'un sable très, très rosé. Puis ça fait très neutre d'ailleurs. Donc ça, c'est beau. Puis, mais là, on pourrait se faire ça habillé, tu sais, façon un peu tailleur déconstruit, parce que c'est pas un ensemble qui fonctionne au niveau de... au niveau nécessairement du... à la base, là. Liz qui dit « J'ai été chercher mon pantalon en velours mauve Louisa C et je suis ravie. » Je comprends. Il est tellement beau, ce pantalon-là. Donc, ce que je voulais dire, c'est que en fait, ça ici, c'est un tailleur qu'on s'invente parce que c'est pas nécessairement la même marque. C'est, ça n'est pas ensemble à la base. Mais je trouve qu'on peut se gosser un tailleur facilement. Puis si on le fait plutôt en botte, j'irais carrément avec une botte choco. Puis en ce moment, là, je renoue avec le pantalon un peu plus près du corps. Hey, j'ai l'étiquette qui me fait tellement mal. Voyons. Je renoue avec... OK. Avec le pantalon un peu plus près du corps. Mais j'aime bien l'idée d'un ourlet cigarette. Ça se peut que le blazer ne soit pas dans la sélection du jour. Je vais vous arranger ça. Ce ne sera pas long. Je trouve ça chouette. Je vous ajoute ça tout de suite. La confection de ce blazer-là, c'est juste, ça n'a pas de sens. Puis dites-vous qu'il est deux tailles trop petit pour moi en ce moment. Je suis vraiment, tu sais, honnêtement, il ferme, mais c'est le fait qu'il est extensible que je peux vraiment le présenter comme il faut. Puis je vous dirais que c'est un de mes coups de cœur au niveau de la confection, évidemment de la couleur aussi, là. Mais
C'est un blazer à 695, donc un blazer à 700. C'est Iris Setlacoui. Puis c'est un tissu un peu, je dirais, quasiment pointé. Fait que c'est structuré, mais c'est moelleux en même temps. Puis on peut totalement s'en servir comme d'une veste demi-saison. Tu sais, si t'es pas blazer, mais dis-toi que t'as pas besoin d'être avocate pour porter des blazers. Il est à 295 sur notre site. Puis, tu sais, 300 pour un blazer bien conçu, là, c'est totalement raisonnable. Mais là, t'en as un qui valait 700. Puis quand tu l'enfiles, tu comprends pourquoi. La matière, la coupe. C'est génial. Puis là, il y a une forme d'aisance qui est encore fermée au dos. Mais ça, c'est juste moi! Puis je ferais probablement un sac choco avec ça pour aller rechercher la botte. Puis ce serait ça. Donc, je suis dans la taille 2 présentement. On a aussi la taille 0. Vérifiez les mesures, puis comparez avec quelque chose que vous avez qui est similaire parce que, tu sais, j'aurais le goût de dire qu'il est quand même peut-être fait ample pour une taille 2, mais... Tu sais, tu veux avoir de l'aisance, puis en ce moment, j'ai rien qui a des manches en dessous. J'aimerais pouvoir mettre un pull en dessous, par exemple, puis m'en servir comme une espèce de veste automnale du tonnerre. Ce serait fantastique. Mais ça, là, c'est juste chouette, tu sais. C'est vivant, c'est lumineux, puis en même temps, tout est intemporel dans ce look-là. Mais le pantalon, en plus, là, il est comme un peu en espèce de flanelle. C'est tellement doux. Puis le carreau, on le sait, là, c'est probablement le symbole... Le symbole de l'automne. Puis on peut aussi se le faire, tu sais, si par exemple on voyage avec des chaussures un peu plus chaudes, puis qu'au bureau, on se change de chaussures. Moi, je suis pour le pied nu à l'année, là, dans les chaussures. Donc, on peut aussi faire le pantalon. Cette coupe-là est tellement belle avec un loafer, là, c'est parfait. Donc, ça... Hey, j'ai oublié, faut que j'aille chercher la robe Marc-Aurèle. Merci, Jen. J'ai oublié de l'amener dans le rack ce matin. C'est, on le dit tout le temps à quel point kaki et fuchsia, ça fonctionne toujours. C'est tellement une bonne idée. C'est splendide. Puis, on pourrait aussi faire encore plus simple. C'est le principe d'un col roulé en dessous d'une veste en denim, je trouve ça bien, bien chouette. Donc ça, c'est la Liu Jo, toute scintillante, avec un bleu juste assez pâle pour que ce soit lumineux, puis en même temps, c'est tout le temps 4 saisons, une veste en denim. Là. Puis là, j'ai voulu faire quelque chose de peut-être un petit peu plus pâle. Puis là, on vient de fin de semaine iser notre pantalon, notre base de tailleur. Tu sais, simple de même. Oh! Tu sais, quand c'est beau, là, mais c'est ça. OK, ensuite. Maintenant. Un autre look de fin de semaine parce que ça marche tout le temps. Ça ici, ça aussi j'adore là. Moi les teintes pastel avec les camel, puis là avec ça, là à chaque jour je vais le dire, il faut vraiment que j'aille faire réparer ma botte. C'est le genre de pantalon qui rentre super bien dans une botte. Fait que ça aussi, ça peut fonctionner sans problème. Et là, je suis dans la taille 14. C'est la toute dernière qu'on a. Puis c'est super léger, mais ça donne un effet automnal du tonnerre. Puis c'est tout le temps beau sur tout.
toutes. J'ajoute ça à la sélection du jour. Hop, ça ici. Ça. Veste en faux suède chamois. Et voilà. OK, on continue. On va se faire un look cocooning avec un pantalon. C'est une espèce de... On l'a caractérisé carreau, mais c'est vraiment une espèce de pied de poule, un peu prince de Galles. C'est un jogger, mais en tissu extensible puis moelleux de la marque Rab. On a eu différentes tailles, puis là, c'est la dernière qui reste. C'est une taille 8, mais il est fait bien ajusté. Fait que, tu sais, moi qui habille 6, je le trouve parfait. Fait qu'il faut s'assurer là, de regarder évidemment les mesures pour que ça nous fasse bien. Puis, tu sais, tu peux vraiment le prendre même plus grand parce qu'il y a une. Il y a une taille élastique, mais le cordon ne peut pas être ajusté. Là, je viens juste de le voir. Mais c'est toujours mieux de prendre même plus grand que trop petit. Ça, je le répète tout le temps. Mais surtout dans un jogger qui est fait slim, si tu veux qu'il soit baggy, n'hésite pas à prendre plus grand que d'habitude. Puis, j'ai réalisé qu'il nous restait aussi un pull bleu de Oui, pull tunique, qu'on a eu aussi en crème. Puis ça, là, ça, j'aime beaucoup ça. Donc, le pantalon, tu vois qu'il y a vraiment une ligne qui est bleu dedans. On la voit-tu bien? Oui, on la voit bien. C'est un pantalon jogger, donc on a vraiment une taille élastique, mais le cordon, lui, il est décoratif. J'aime beaucoup aussi la petite ligne marine, un peu tuxedo sur le côté. Puis avec le pull en taille 6 qui est fait juste parfaitement ample, c'est parfait. Avec ça, chaussures, je pense qu'on va faire les bottes de combat. Ça ici. C'est le même principe qu'un pantalon de jogging, sauf que celui-là a un look un petit peu plus habillé. Puis j'aime bien quand c'est un peu plus près du corps, moi, le porter avec un vêtement qui est un peu plus long. Puis avec ça, j'aime bien les étages. Fait que je ferai probablement mon perfecto. Puis là, on peut se jouer ça un peu plus ville, relax. Mais j'aime ça parce que tu as le côté très, très classique. C'est comme un prince de Galles, en fait. Tu as le tricot moelleux, mais tu as les bottes puis le perfecto pour rocker la patente, comme on dit toujours. Puis ça, ouais, ça marche bien. Fait qu'on est vraiment dans une taille 6 ici, je vous dirais, pour être parfaitement confortable. C'est tellement parfait comme look. Tu sais, ça reste simple, mais les matières sont douces. C'est cocooning, c'est réconfortant. Hop. Simple. Donc voilà, le chandail, je vais aller juste voir. Hop. Chandail long en tricot bleu lavande chiné. Donc c'est une taille 6 pour ce qui est de 8, 10 et 12 effectivement épuisés. Je suis juste sûre de ne pas vous dire n'importe quoi. C'est plate de vous dire qu'il n'y en a plus quand il y en a. Thérèse qui dit « J'ai ce beau chandail bleu, ouf, qu'il est confortable. » Ah, Josée, à moi, cette couleur bleu ciel, c'est petit, assez beau! Je le vois encore disponible. Je ne sais pas si tu as confirmé ta commande, Josée. Ou si c'est parce que c'était ta façon de dire que tu en as déjà un, c'est peut-être ça aussi. OK, alors pour l'instant, je vois que le chandail bleu, lui, il est encore, encore dispo. Je ne veux pas te stresser, Josée, là. Il y a peut-être un délai.
Il y a peut-être un délai. OK, on continue. Allons-y avec la robe léopard kaki. Hey, le chandail bleu est superbe aussi avec le pantalon gardeur bourgogne. Parce qu'évidemment, il y a une ligne marine dedans, là, c'est assez chouette. Ce que j'aime des vêtements Mark Cain en général, c'est que ils sont généralement, en général, lavable à la machine. Puis ça, pour moi, c'est vraiment un bel avantage. Cette robe-là, il faut que je me refasse ma tête. Cette robe-là, je la trouve géniale parce que oui, c'est léopard, mais le fait qu'elle soit kaki, ça la rend comme tout à fait originale. J'aime que ce soit un col qui est légèrement montant, mais pas, tu sais, que ça reste un col rond. Bref, les manches qui sont légèrement diaphanes, mais tout le reste est comme doublé, donc bien opaque. Puis cette robe-là, ben À la suggestion de Geneviève, on va l'agencer avec le blazer fuchsia. T'sais, ça te jazz dessus la patente. C'est fou. Donc ça, je pense que je ferai la botte brune avec ça parce que kaki c'est neutre. Brun, c'est neutre, puis mon punch, ce sera le blazer framboise. Une autre petite bobépine ici. Oh, je suis pas sûre de la botte. Non, on va se faire une botte qui monte en dessous de la robe. Essayons noir. C'est ici. C'est vrai que les boutons matchent. Mais je pense que je préfère avec la botte noire. Ouais. Ça, c'est mieux. Puis je ferai un sac noir pour lier tout ça. Voilà. C'est vrai que l'imprimé est doux. C'est vrai que les boutons sont vraiment bien, bien, bien agencés à la robe. Ah, oh, ça, c'est beau. Ça, ça fonctionne. Colline. C'est chouette en maudit. Ça, c'est vraiment beau. OK, alors la robe, elle se trouve, je crois, sur la dernière page. Robe à motif léopard kaki, c'est une taille 6, prix régulier 495. Et elle est à 195 sur notre site. Puis c'est une robe qui est lavable. C'est superbe, que dit Thérèse. Puis c'est une robe qu'on peut honnêtement porter à l'année aussi parce que c'est du. Je crois que ça doit être de la viscose. Polyester et élastane, mais c'est tellement fin parce que t'as la doublure, puis ensuite t'as l'espèce de filet diaphane par-dessus. Fait que c'est hyper fluide, ça, c'est très respirant. Donc moi je porterais ça en été, surtout que la manche est toute en filet. Fait que c'est hyper doux, évidemment pas s'il fait 40, mais tu peux totalement porter ça pour un événement estival. Puis toutes celles qui n'aiment pas nécessairement montrer leurs bras, ben ça c'est génial parce que c'est pas chaud, mais t'as le petit bras camouflé. Fait que ça c'est chouette. Puis on peut aussi totalement rester dans le neutre. Oh! 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 La veste boréale là-dessus. Oh my God! Ça, là, c'est quelque chose. Avec kaki, le vert boréal est fou. Tu sais, j'allais mettre quelque chose de noir, mais c'est un vert noir. Ou c'est un noir vert. Ah, oh, que c'est beau. C'est ça aussi, là, pour le boulot. C'est pas compliqué. Puis ça reste tout de même assez indémodable.
évidemment, si jamais vous ne l'avez pas vu hier, là, c'est une veste qui se ferme, évidemment, avec une fermeture éclair. Ça, c'est une taille médium, c'est la dernière qui reste. Elle est quand même faite ample. Puis ensuite, tu peux venir la cintrer avec les boutons pression. Puis si tu veux avoir comme plus d'ouverture et plus d'espace aux hanches, même si elle est super généreuse, tu peux totalement venir ouvrir jusqu'à la hauteur de la ceinture, par exemple. Voilà. Pendant que je suis dans les bottes, j'y vais avec une nouveauté, c'est-à-dire une robe Nadia Toto, graphique, noir et blanc ou noir et crème, qu'on a en deux tailles, c'est-à-dire small et medium. C'est une robe qui est coupée comme on les aime, là. Avec la taille soulignée, puis ensuite les hanches un peu plus évasées. Du grand Nadia Toto. Alors, je vous montre. Le tissu, c'est toujours le fameux jacquard. Donc, les tissus de Nadia Toto ne sont jamais imprimés, ils sont tissés. Le motif est tissé à même la matière, c'est pas imprimé, ce qui veut dire que ça reste, c'est toujours, toujours pareil. Et même quand c'est lavable, la couleur reste parce que c'est pas imprimé, c'est tissé. C'est noir et blanc, je dirais blanc crème, avec les espèces de petits détails de boutons au niveau de la bande de taille. Moi qui ai des pas pires bras quand même, la manche est bien ajustée, mais tout le reste est super bien. Puis, j'haïs pas ça, une manche ajustée, parce que ça te garde tout bien en serre, puis ça fait un petit bras. Puis comme tout est extensible, je me sens hyper, hyper bien là-dedans. Puis tu sais, les hanches, c'est super généreux, évidemment. C'est une robe qui est un peu dansante, puis la taille est soulignée, mais tu sais, j'ai même un peu de lousse. Donc ça, c'est la small. Évidemment, là, je fais 32E de buste, fait que c'est un peu moulant au niveau du buste. Pour moi, il y a des pinces, par contre, fait que c'est vraiment bien fait, bien coupé. Puis tu sais, pas besoin de ceinture, parce qu'on a déjà les petits détails avec les boutons, mais tu sais, c'est d'une féminité, cette robe. Puis là, j'irai avec le côté un peu, justement, vintage, là, tu sais, avec mon petit sac. Vintage. J'ai ma botte. J'aurais pu faire un collant. Tu sais, on va la faire, je pense. On va la faire. J'ai amené mes collants jaunes parce que je me suis dit que vous aimeriez ça. Surtout que c'est deux neutres, cette robe. Fait que tu peux lui mettre n'importe quelle couleur de collant. Ça aurait pu être rouge. Ça pourrait être vert forêt si c'est ça ta teinte. On va y aller avec jaune or ou jaune marigold ce matin. C'est ici, tellement qu'on faut Nadia. Toujours. C'est toujours des tissus qui sont épais, flatteurs et stretch. Fait que tu as toujours tout ce qu'il faut pour que ce soit un grand succès. Collant jaune. Avec ça, moi, c'est sûr que je veux faire une chaussure ouverte. Parce que tant qu'à faire le collant, on veut le voir jusqu'au bout des orteils. Puis là,
j'ai pas dit mon dernier mot. Attention, attention! Le chandail pur cachemire de la marque Twinset, présenté hier, façon foulard. Ça ici, faux col et colonel, c'est clair que ce serait très très beau, mais là j'ai comme envie de cocooning là-dessus. Voilà. J'aime ça. J'aime ça beaucoup. J'aime vraiment ça. On préfère les lunettes solaires. Puis même, je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est le perfecto par-dessus. Et le faux foulard par-dessus. Ça, c'est complet, là. C'est pas mal cute. C'est pas mal cute. Mon envie de collant coloré et rassasié. Ouais, mais ça fait plus complet, tu sais. Mais là, ce chandail, on pourrait aussi carrément le porter, je pense. Parce que là, il n'est pas dans la sélection du jour parce que c'était une trouvaille d'hier. C'est cachemire, chandail en pur cachemire, safran vibrant, chandail à 575 au prix régulier et qui est à 275 sur notre site. Puis les cachemires, là, quand on investit dans un cachemire, on y fait attention puis on l'a pour très 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 longtemps. Puis là, la couleur de celui-ci a juste pas de sens. Donc ça. Oh. Puis ce qui est hot, c'est que justement, c'est un, je pense même que c'est un extra small, tu sais, c'est un extra small, mais il est tellement fait ample que je peux enfiler la robe en dessous, puis je me sens super bien parce que la manchure est super grande, puis il est fait très ample aussi au niveau du buste puis de la taille. Hey, ça, c'est beau, là. Là, je me suis finalement amenée un petit foulard ce matin. Fait que là, on pourrait faire ça. Ça aussi, là, ça marche. Puis là, j'aime bien aussi le collant. Le collant avec le loafer. Comme la robe est en dessous, voilà. Donc, je viens d'ajouter le chandail dans la section du jour. Hey, ça. C'est ça, c'est cute. Puis là, je pourrais probablement pas mettre mon perfecto avec les bras dedans, mais je pourrais totalement le porter en cap, par exemple. Donc ça, c'est la taille small, vérifiez les mesures, mais on a aussi la taille médium dans cette robe. C'est juste très girly.
une variation sur le même thème avec la jupe. On va l'appeler, je pense que c'est aussi bleu chanceux, si je ne me trompe pas. Lucky Blue, exactement. Je ne me souviens plus ce qu'on a eu de Lucky Blue cette semaine, mais la jupe bleue en lin techno, c'est aussi cette même couleur. Puis celle-là, honnêtement, en ce moment, je l'enfile, puis je vous jure, c'est vraiment plus une médium. Donc, ça vaut tellement la peine de regarder les mesures parce qu'elle est vraiment grande. OK. Puis là, je peux pas m'empêcher de faire cet agencement de couleurs. C'est juste trop chouette. Je vous montre la jupe, là. Tu sais, c'est une jupe qui se porte taille haute, puis j'ai tout ça, là, d'espace. Fait que c'est sûr que je peux la porter un peu plus basse, mais l'espace est là pareil, tu sais. Hey, ça. OK, on va juste aller voir ce que ça donne au niveau de la mesure, là, pour la jupe. Je vous rappelle que le chandail bleu long est toujours disponible en taille 6, juste pour que vous ne passiez pas à côté. Jupe portefeuille en lin techno bleu, puis la taille 1 qui reste fait 14-75-15, donc vraiment là, on est dans une belle grande small ou petite médium. Mais les deux couleurs ensemble, là, c'est assez malade. Donc, un petit French tuck ici, les manches relevées, avec les deux couleurs ensemble. Puis là-dessus, ben, je ferais probablement une botte brune. Là, on va envoyer ça à l'envers pour toutes celles qui se disent « Mais semble que moi, là, je mettrais les plis devant, mais regarde, tu peux totalement faire tout ce que tu veux. » Il y a tellement d'étiquettes qui pendouillent. Tu peux faire tout ce que tu veux. Je t'en ai les petites notifications. Voilà. Donc, les plis devant, si on le souhaite. En arrière, ça donne ça. Puis là, si on la raccourcit comme on le souhaite, ça donne ça. Puis le côté, la flow. Ouh, trop jolie cette jupe. Hey, c'est tellement confortable en plus. Puis là, par-dessus, c'est cachemire sur cachemire. On a le foulard en cachemire de la marque Blue Marine. Juste le foulard tout seul, au prix régulier, se vend plus de 600. Il n'est pas à ce prix-là sur notre site, c'est notre promesse. Puis là, ben, si on fait ça, on a le bleu un peu plus foncé, mais un peu plus vibrant, mais ça marche pareil, là. Mais les deux teintes ensemble, là, c'est assez fantastique, là. Hey, la jupe, je vous le dis, là, la jupe, c'est un confort total. Je mettrai mes lunettes tortoise avec ça, puis probablement un sac choco. Pour l'instant, malheureusement, il n'est pas possible de commander d'outre-mer, mais on évalue la possibilité, on va le dire. Donc voilà. Hey, ça. C'est chouette, là. C'est tellement vivifiant comme agencement de couleurs, c'est fou. Je pourrais même me faire juste un petit ballot. Hey, tu sais, le foulard en cachemire, le pull en cachemire, je veux dire. Ça pique-tu? Non! Non, ça pique pas! Ah, oh, que c'est beau! Fantastique! Fantastique!
fantastique. Donc, je vous rappelle, on a cette jupe. La première que j'ai présentée, c'était marine. Ensuite, on a le bleu chanceux, qui est un petit peu plus clair, un peu plus une espèce de bleu cobalt. Et on a une mocha. Puis là, ce matin, on va faire mocha et gris. Et c'est splendide! Juste pour le bonheur de nos yeux, là, avant de passer à mocha et gris, on va se permettre de vivre mocha et jaune safran vibrant. Donc ça, c'est la même jupe, mais en mocha. Caline, c'est beau. C'est quoi votre préféré? Avec mocha ou avec bleu chanceux? Il nous reste une seule, Nicole, dans chaque couleur. Fait que c'est toutes des tailles 1, mais tu sais, comme la bleue cobalt que je viens juste d'enlever était clairement un peu plus médium, c'est ce que j'expliquais. Puis quand vous allez sur le site, dans la section mesure, vous l'avez, le 1 fait plus small, médium, puis ça dit la taille qui est 14,75 à 15. Fait que quand on connaît notre mesure prise en pouce à plat de taille haute dont on a besoin pour être bien, bien vous avez l'heure juste. Fiez-vous pas jamais juste sur moi. En plus qu'en ce moment, mon poids est à l'image de notre taux hypothécaire, c'est-à-dire variable. Fait que vraiment, l'idéal, c'est de se fier aux mesures sur le site. Mais il nous reste que des tailles 1, mais ils ont toutes un peu une petite différence de mesure. Fait que ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Donc ça, c'est la mocha, toujours avec l'agencement jaune-safran. Puis là, on va le faire avec le gris, parce que ce matin, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça assez joli. Je pense pas avoir fait ça souvent, gris et mocha ou choco ou brun pâle, mais je trouve que ça a quelque chose. C'est gentil, la Flo, merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Ça ici, là, le gris avec les strass, avec le choco. Puis là, encore une fois, si on la raccourcit juste un peu, tu sais, c'est vraiment important de jamais penser qu'il faut porter les vêtements tels quels. Le choix des vêtements, le choix de la taille et le choix de la modification qu'on va peut-être lui faire, tout ça, ça fait partie de notre style. Là, je vais enfiler une botte brune. On va faire abstraction des collants jaunes si on les voit, même si c'est pas vilain, mais ici, j'aurais tendance à faire beaucoup plus neutre. Ah, que j'aime ça! Tu sais, le fait d'avoir une botte brune, ça met vraiment l'emphase sur le gris du pull qui est fantastique. Puis le pull, là, la beauté, c'est que tu peux le porter. Attends, faut juste que je refasse la boucle. Tu peux le porter tombant sur une épaule, puis le ruban gros grain vient comme camoufler la bretelle. Regarde ça. De soutien-gorge. Hey, gris et choco. T'sais, on ne savait pas là, qu'on aimait ça à ce point, qu'on aimait ça à ce point-là. Mais t'sais, c'est hyper facile à raccourcir en plus parce que c'est vraiment juste une épaisseur. Puis c'est plissé, mais c'est vraiment juste un tour. Fait que pour une couturière, là, c'est vraiment, vraiment pas difficile. Fait qu'il faut toujours se dire, si j'investis dans des vêtements de qualité, t'sais, c'est dommage de ne pas faire le 10-15$ de plus pour les mettre parfaits pour soi. T'sais, tant qu'à y être, là, on va jusqu'au bout, puis on obtient le produit parfait pour soi. Je suis grande, puis je préfère quand même faire raccourcir. Là. Fait que c'est vraiment une bonne idée d'aller jusqu'au bout de l'opération pour avoir la satisfaction totale. Hey, mais gris, gris et choco! Puis là, on pourrait faire avec ça le petit sac. C'est juste une teinte un peu plus foncée. Le pull, là, je l'adore. Avec la boucle sur l'épaule, c'est tellement féminin et il est ultra doux aussi.
C'est un peu Luisa Serrano. OK, la jupe marine est épuisée. Donc là, je vous donne ça en temps réel, là, pour être sûr. La marine est épuisée. La choco mocha est dispo et la bleu cobalt aussi. Puis c'est vraiment la dernière de chaque qui nous reste. Là, je cherche le pull gris. Ah, il est au début, début. Ou peut-être pas au début. Chandail gris à éclat de strass. C'est une taille 8. Il est fait un peu ample, mais ample beau, là. Ah, je trouve ça tellement féminin. Je m'en remets pas. Magnifique, magnifique. C'est un peu la 595 et il est à 245 sur notre boutique en ligne. Flambant neuf. Je suis en amour. Je suis en amour avec tout. Un autre mix que j'aime beaucoup, puis là c'est une trouvaille du jour, puis vous connaissez mon amour pour les cardigans, et là ce matin on en a un en marine. Voilà, en marine, en pur coton. Puis, il est légèrement écourté, fait que tu n'as même pas besoin de faire un French tuck avec ça. C'est comme intégré. La manche est un peu ample. L'ourlet te permet de remonter la manche puis que ça tienne super bien. Moi, j'ai un peu le réflexe de tout le temps un peu envoyer le col par en arrière. Mais, tu sais, si je le descends, là, c'est un beau décolleté un peu plongeant, mais qui est facile à juste comme gérer facilement. Pascal qui dit « Je regarde la vidéo VS de Bangkok. » On a eu du fun à Bangkok. Cette pièce splendide, c'est évidemment un indémodable, un classique. Puis quand tu investis dans la qualité, tu l'achètes une fois, ton cardigan en tricot de coton marine, qu'évidemment tu peux porter à l'année. Donc c'est le cardigan marine en pur coton tressé. Il y a des petites poches au bas de l'ourlet. Puis encore une fois, marine et choco, là, c'est hyper chouette. C'est pour toutes celles qui aiment les teintes foncées, mais pour qui des fois le noir peut te paraître un peu sévère. Mais marine, là, c'est un noir bleuté. Puis brun, ben, c'est un noir chaleureux. Fait que c'est deux teintes neutres qui s'agencent tout aussi facilement que le noir, mais ça donne un résultat qui est complètement différent, évidemment. Mais deux teintes de choco, puis marine, là, j'étais en train de me dire que je trouve ça beau. Donc, on a les tailles 6, 8, 10 et 14 dans le cardigan marine. C'est évidemment hyper doux. Carole qui dit « Wow, le cardigan, toi! » Certainement. Puis, je vous le dis, c'est le fun parce qu'il est un peu écourté. Fait que, tu sais, toutes celles qui préfèrent des choses qui sont pas trop longues, trop amples, il est comme parfait. Puis, évidemment, la manchure est ample pour que tu puisses mettre quelque chose en dessous puis que tu te sens super bien. Puis là, on va l'essayer avec le super chemisier à rayures de Oui. Ça va être vraiment chouette. C'est un cardigan qui se détaille 595. On le sait que Luisa Serrano, la qualité est belle, puis les tricots sont beaux. Mais plutôt que presque 600, il est à 265. Puis, je le dis tout le temps, un investissement, c'est toujours mieux de le faire sur un vêtement de la vie de tous les jours parce que tu le rentabilises beaucoup, beaucoup plus vite. Mais tu sais, ça peut même faire chic. J'adore ça. Et là, je vais enlever la jupe. On va le faire sur autre chose. Donc là, j'étais dans la taille 8, fait que je vais essayer la 6 juste pour être sûre de bien vous aiguiller au niveau des tailles. Donc, je l'enfile sur le jeans Raffaello Rossi, écourté, extensible, en taille 10.
qui ressemble vraiment à une coupe de jeans que j'ai aussi, que j'aime tellement. Donc ça, c'est taille 14. Tu sais, on va se le faire classique, mais pas plate, là. Fait que ça, c'est le jeans en taille 10. Je l'ai déjà présenté une fois, je crois. Et c'est un jeans qui est super, super extensible. Belle taille 10. Raffaello Rossi, là, c'est le summum du pétalon. C'est tout le temps bien coupé. Les matières sont belles, mais c'est fait pour la vraie vie. Fait que ça, on aime tout le temps. Donc là, j'ai enfilé le chemisier en taille 14. Je crois qu'il nous reste un de chaque, là, un 12 et un 14. Je ne sais pas si je l'ai-tu mis dans la section du jour, parce qu'il va être beau en dessous du cardigan, c'est sûr. Non, fait que je vais aller le chercher. Chemisier ciel à rayures blanches. Donc, une taille 12 et une taille 14 seulement. C'est ici. Là, on fait cardigan en taille 6. Parce qu'il est un peu déjà, tu sais, coupé un peu ample. Fait que je crois pas que j'aurais besoin de prendre une taille de plus que d'habitude. Puis les manches sont quand même assez amples. Mais le poignet est ajusté, fait que c'est parfait. Tu peux remonter la manche puis ça tient. Tu n'as pas à te gérer les avant-bras. Oh, ça, je vais aimer ça. C'est mon petit côté preppy, là. Puis j'aime ça, là, que ça dépasse. Puis là, tu vois, j'ai un chemisier taille 14 sous un cardigan taille 6. Fait que je te dirais qu'il est parfait, là. Moi, je me sentirais super bien là-dedans. Là, on va se faire ça. Comme ça, puis c'est clair qu'on va aller chercher un petit colonel bleu outre-mer en soie importé de Bangkok, justement. Donc ça, petit colonel bleu ici. Puis j'aime ça, là, tu peux même le replier, l'ourlet. Puis là, il fait vraiment crop. Ah, oh, ça, j'aime ça. Il est parfait, ce cardigan. Tu sais, un cardigan bien coupé, c'est un cardigan bien coupé. Le fait de pouvoir retourner l'ourlet, puis il fait vraiment, vraiment écourté en dessous de quelque chose de plus long, là, c'est tout le temps beau. Je pense que j'ai le goût de faire juste l'espèce d'illusion de cravate avec ça. Ah, oh, ouais, c'est mieux. Regarde ça. C'est hyper cool. Et OK. Ça, fantastique. Donc, je rappelle, le cardigan, on a 6, 8, 10 et 14. Puis je suis dans ma taille 6 habituelle. Ceci, c'est 14. Donc, oh, c'est le fun d'avoir le cardigan et le chemisier. Puis avec, tu sais, ton jeans préféré ou ton pantalon marine préféré, ce serait parfait. Magnifique. Mais c'est facile en plus, c'est pas complexe. OK. Là, j'ai une envie de surjupe parce que la surjupe que tu peux porter autant sur le pantalon que toute seule avec un collant en dessous, pour moi, c'est comme la parfaite pièce indémodable mais tripante. Tu sais, quand une pièce peut faire différentes formules, ça la rend tellement, tellement polyvalente. On va faire le gris anthracite.
ça ici. Oh! Tu sais, c'est parce que comme c'est gris, on dirait que ça fait sérieux. Puis comme c'est échancré sur la jambe, ben là, on dirait que ça fait sexy. Puis là, sexy, sérieux, c'est comme un beau, c'est un beau contraste. Je pense que j'enlèverai ça ici. Là, j'ai le goût de l'essayer, là. Tu sais, super... Ah, oh, je pense que c'est hot. Tu sais, là, avec la mode des jupes diaphanes puis des jupes qui sont quand même assez... qui dévoilent beaucoup, ben là, on a un peu cet effet-là, mais c'est contrôlé, mais on dirait que je ferais ça, là. Tu sais, avec le chemisier ample, puis je le porterais comme ça. Zéro French tuck, zéro rien, là. Puis, je changerais peut-être de colonel. Je pense que j'en prendrais un gris. Hey, ça, je trouve ça malade. Puis, tu sais, la jupe, là, tu peux vraiment... Puis, on s'entend, là, je fais 5 pieds et 7. Mais, tu sais, l'ouverture la plus haute, là, est à peu près à 3 pouces au-dessus de mon genou. C'est pas la fin du monde. Puis, je fais 5 et 7. Fait qu'imagine, là, si t'es légèrement plus petite, ça va être quand même légèrement plus long aussi. Je pense que j'en ferais même pas de... Je ferais même pas ça. J'ai le goût de faire peut-être plus décontracté. Il faut jouer là. Hey, ça, là. Ok, je pense que je vais craquer. je vais. Il y a des bonnes chances que je craque. Parce que il y a un côté. Je vais dire dégaine, même si j'ai appris que c'était pas un mot positif. Mais ça là, je trouve ça vraiment chouette. Il manque juste quelque chose de un peu plus foncé dans le haut. Là, je suis en gris, bleu, blanc. J'ai besoin de votre inspiration. Il manque juste quelque chose dans le haut. Oh. Je cherche. Je suis certaine qu'à la gang, on va trouver. Ok, je pars à la recherche. Peux-tu simplement être un foulard marine? Pas ça. Puis si on se fait ça tour de cou? Non. Oh! Je sais. Petit foulard. Ok. Je l'ai. Ça. Bingo! Le chandail marine sur les épaules. Ah, ça, c'était une bonne idée! Ok, je prends la peine de... Mais ça, là, ça, j'aime tellement ça. Ça fait aristocrate. J'aime ça beaucoup. Je prends le temps de me faire ma petite couette pour finir en beauté, là. Puis juste m'assurer qu'on a tout montré ce qu'on voulait voir. Mais l'idée du chemisier qui est oversize, là, tu sais, là, il est grand sur moi, c'est sûr, parce que c'est une taille 14, mais il est quand même taillé pour être... pour être ample. Ça, j'aime ça beaucoup. Puis effectivement, le chandail sur les épaules, le ginette, c'est une excellente idée. Ouais. Mais là, on dirait que ça fait changement d'avoir le petit foulard. J'aime ça, là, mais on dirait que là, le petit foulard, ça fait changement. Ça, c'est hot. Ok, la surjupe, c'est fou, là. Je vais essayer d'autres choses, mais ça, je suis là, là. Je suis totalement là. Puis disons qu'on pousse, là, puis qu'on fait justement carrément le cardigan. En version... Là, j'ai enfilé le 14, juste pour vous le montrer. Puis j'ai un petit béret à moi, marine.
Ça a l'air un peu déformé, mais... Non, je suis pas béret, attends. Et là, on l'essaye, on le vit. Mais le grand cardigan, couleur en soie Louisa. Bonne idée. Puis c'est vraiment une pointe, hein? Fait que... Attends, là, faut que je... Ça... Ça. Ben, il est beau là. Je vais peut-être mouiller vite là, mais. Ah, ça, j'aime ça. Mais marine, gris, puis le petit punch de. Le petit pop de couleur. Je trouve ça bien, bien beau. Ça fait super beau avec le béret. Ouais, mais je le sentais pas. Je ne filais pas partout. OK, mais ça, c'est cool. Puis vraiment, c'est une pointe, hein? Fait que c'est... on peut autant se faire la pointe devant. Qu'on peut se faire la pointe. Mais tu sais, on peut même juste le... Comme ça, là. Ah, c'est beau. Puis la soie, c'est tellement de matière. Quatre saisons dans sa légèreté. Puis on pourrait le faire aussi en pointe. Ben, je suis en amour avec la jupe portée toute seule avec les bottes de combat. C'est ici. Si on se fait la version encore aussi cocooning de ça. Gris et ivoire. Ça aussi là. Ah! Ça, c'est le chandail oui. Chandail à maille ajourée crème. Il nous reste 10 et 12. Donc, pour avoir essayé le 8, je vous dirais que je l'aimais beaucoup. Donc là, quand même un peu plus grand avec la taille 10. Et il nous reste une taille 12 aussi. Ça, c'est, tu sais, je vais faire comme si je vivais ma vie. À tout. C'est hyper cool. Hyper cool. Puis là, on va se faire ça. Ceci. Avec. En fait, on a la version aussi plus pâle. Mais on va se faire une superposition. Avec le pantalon Maria Bellentani. Cette jupe, vraiment! Ça, c'est quand tu mets un pantalon en dessous. Ça c'est juste splendide. Là, j'ai enfilé le pantalon en tricot à jambes larges de Maria Bellentani en dessous. Puis là, on pourrait se faire ça. J'aime assez ça. Le pantalon écourté à jambes larges en dessous de la surjupe, c'est hyper cool. Regardez-moi ça si c'est beau! Regardez-moi ça si c'est beau! Avec le pantalon, puis on peut aussi le faire un peu plus tout allé.
là, on est vraiment plus. Ben, tout à l'heure, carrément. Tu sais, quand on dit une surjupe, là, c'est ça l'idée. Puis encore une fois, c'est vraiment une jupe que tu peux promener. Tu peux la tourner. Y a... C'est une vraie poche. Je sais pas si c'est une vraie poche ou une fausse poche. Mais c'est vraiment une pièce portefeuille. Fait qu'en plus, c'est facile. Ouais, il y a une vraie poche. C'est facile de jouer avec les boutons si jamais tu as besoin de l'ajuster un peu. Puis tu peux totalement la tourner un peu puis avoir vraiment l'impression que tu es dans une jupe longue avec une fente sur le côté. T'sais. Mais le principe de la surjupe, c'est malade. Ça, là, j'ai dit bonne idée, jupe et pantalon, un wow assuré, mais c'est le genre de superposition qu'on voit en ce moment. Mais le fait qu'elle soit ouverte, ça donne de la longueur. T'sais, des fois, de mettre une jupe longue puis un pantalon en dessous, on peut sentir que ça écrase un peu. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de super comme aéré en plus. Ça, c'est fourraine. C'est extensible. C'est la belle gabardine de Sarah Pacini. C'est juste parfait. T'sais, moi, ça, c'est un look. C'est automnal, cool. Puis je ferai mon sac. Noir. Puis ça serait juste ça. Ça, c'est beau. Voilà. Hey, je pense que ça va être notre dernier look d'aujourd'hui. Je vais juste aller voir rapido. Puis s'il y a des choses que j'ai pas présentées. Ah! Oh! OK, un dernier. Un dernier. Juste parce que j'aime tout le temps présenter des vêtements luxe, mais de manière fun. Hop, c'est ici. On se peut plus. Mais tu sais. Puis là, je vais juste vous montrer, là, on a la version gris anthracite qui est vraiment plus foncé, puis on a l'espèce de gris plus souris dans les deux. Et possible qu'on ait différentes tailles aussi. Donc la anthracite que je porte présentement, on a extra small à médium. Donc on a une 0 et la 1 qui fait small médium, puis dans la plus grise, small. Puis la mesure fait 14,5, fait une bonne small quand même. Mais ça, c'est hot. Puis là, je suis bien, là, j'ai un pantalon en tricot de Maria Bellentani noir en dessous. J'ai ma surjupe décorative. C'est juste hot. Voilà. Voilà. Ça va être ça. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite de passer un super mardi. Puis je vous donne rendez-vous demain 8h pour le live du mercredi. Votre dose d'inspiration signée verysmart.ca. N'oubliez pas d'être very smart. Ciao!